Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh là là, j'ai fait une soirée de fou les gars. Je suis encore dans ma soirée, il est 10h42. Oh, déjà je suis fracassée. Mais l'alcool est à boire avec modération les amis. Mais là vraiment, je suis fracassée d'avoir sauté. J'ai sauté comme un kangourou, j'ai dansé, j'ai fait la fête. J'ai dansé avec tout le monde. Et pour vous dire la vérité, je connaissais pas tout le monde à ce mariage parce que c'est plus les amis de mon mari. Et tous les Mauriciens, ils sont mon mari, il a tous ses copains là. Et en fait, moi, du coup, j'étais avec leurs femmes. Il y en a quelques-unes que je connaissais, d'autres personnes que je connaissais pas du tout. Et franchement, c'était juste trop bien. Mais trop, trop bien. J'ai passé une soirée de fou. Mais là, voilà, il fallait se réveiller. On a dormi 5 heures. Mais c'est pas grave, parce que moi, je vais profiter de mes enfants. Déjà, on les a laissés hier soir. Voilà, j'ai envie de profiter avec eux. Là, on va quitter l'hôtel. On va aller dans un endroit hyper sympa avec eux. On va faire les activités. On va passer la journée. Je pense que ce soir, on va se coucher hyper tôt. Mais voilà, c'était juste pour vous dire, c'est trop bien. J'ai disparu parce que voilà, je n'allais pas envoyer mon gros téléphone sur tout le monde. Mais qu'est-ce que c'était bien, finesse. Hein, chat? C'est la folie. Ah ouais, j'étais en best of joy. Ah ouais, je sautais partout, un kangourou j'étais. C'était génial. Bon là, par contre, je vais maquiller parce que j'ai vraiment une tête de merde. Si je ne maquille pas dans les emails, là, il va vraiment falloir appeler SOS Makeup, quoi. Bon, et voilà, je suis de retour un peu maquillée, ça fait du bien. Genre, ça change un peu le look, mais l'intérieur est toujours le même. L'intérieur est toujours chaos, mais c'est pas grave. Je suis fracassée, les gars. Mais voilà, il est hors de question de passer une journée dans le lit, de pas assumer notre rôle de parent. Voilà, donc on va assumer totalement. On va aller, ça s'appelle les 5 terres, je crois. 7 couleurs. 7 couleurs. On a déjà fait. On a déjà emmené les enfants là-bas. Non, Liwen, elle n'existait pas. Liwen n'existait pas. Mais Elon avait, il était dans les bras, il ne marchait pas. Il avait 4 mois. Et du coup, bah, là, ça va être cool parce qu'ils vont vraiment s'éclater. Et voilà. Là, on rentre bientôt. Hein. On aura passé une belle semaine. On était venus cette semaine-là exprès pour être là pour le mariage en même temps. Donc comme ça, on a fait une paire de coups, les vacances, la famille et les copains. C'était très chouette. Là, ça y est, il va falloir qu'on rentre bientôt et que je dorme pendant une décennie. Je vous jure. En plus, même pas parce que quand je rentre, je me suis mis au paddle direct. Genre, je rentre à minuit, le matin, je suis au paddle. Je suis une malade. Ah ouais, passion, tu connais. Non, mais lui, il pète un câble avec son ombre. Il cherche son ombre. Il dort pas. C'est vrai que c'est rigolo quand même. Et petite boutique d'hôtel comme ça, non mais ma passion, je vous jure. Il y a tellement de petits trucs à chaque fois. J'adore. Bon, on est venu manger, on a emmené les enfants dans un. C'est l'hôtel qui nous a conseillé. On est déjà venu dans ce secteur, mais on n'avait pas fait ce resto. Mais la vue, elle est dingue. Regardez. Regardez-moi cette vue. Il y a une vue panoramique sur tout le Morne. Là, c'est là où on a mangé la dernière fois sur l'île avec le bateau. On s'était arrêté là. Ouais. Et voilà. Magnifique. Le resto, il est trop canon. Une vue panoramique. Ah, c'est l'île des Bénitiers alors. Exactement, mon petit chat. Ah, et le cristal machin, et le truc, il est là-bas, alors, devant l'espèce de pierre là. Oui. On connaît bien maintenant. Finaise, on était venu ici. Maëlon, il avait 4 mois. Ça me fait tellement bizarre de me dire qu'on est là et que. Maëlon, maintenant, il a 4 ans et demi. C'est trop beau ici, j'adore. Hein, mon grand? T'as grandi, hein, comparé à la photo que je t'ai montrée? Oui. Ouais. Bon, ce soir, on est parti. On va manger dans un petit resto. Voilà. Les enfants, on a fait une sieste, je vous explique, ça nous a fait du bien. Tout le monde a fait la sieste, sauf Maëlon. Maëlon a regardé les Pokémon, Yvonne a dormi aussi. On était chaos, ça nous a fait du bien puisque bah, on était bien beau à faire les fêtes d'or. On a fait dodo. Oui. Elle arrive la surprise par là-bas bientôt. Là-bas? Ouais. Et ça nous a fait du bien, du coup ça nous a un peu requinqué, mais je vais quand même bien dormir ce soir et je vous languis demain. La journée du lendemain, elle est difficile. Hein. Oh là là. Elle est vraiment difficile, mais c'était trop bien. Franchement, on s'est vraiment régalé. Vraiment, vraiment régalé. C'était trop bien. Si c'était à refaire, je refais tout pareil. Mais juste.
Juste, je décale un peu la journée d'aujourd'hui un peu plus tard. Parce qu'on n'a pas dormi beaucoup. Mais c'est trop bien parce qu'on a pu bien profiter. Non, tu me suis pas. Alan, t'as bien profité aujourd'hui? Oui. Ouais. T'as vu quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des grosses tortues, on a vu la terre de toutes les couleurs. Boule de tortue. Ah oui, boule de tortue. Liwen, elle est venue se cacher derrière Mylon. Arrive. Vous avez collectionné les bêtises. Collectionné. Que des bêtises. Non. Pardon ? Vous avez fait que des bêtises. Vous non. Avez. Comment ça, non ? Ils ont une énergie. Comme par hasard, ils ont trop d'énergie quand toi t'en as pas. On dirait ici, si, ils font exprès, ils disent ah ouais, vous êtes sorti hier soir, tu vas voir. Je vais te faire. Ah ouais. Du coup, ah, ben, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On va faire caca aujourd'hui, cacu. Ah, on est vraiment. On est dans la période. Alors, on fait pour caca pipi. On est dans une période, alors, les gars. On fait pour caca pipi. J'espère que ça s'arrête vers 4-5 ans parce que là, ça commence. Caca pipi. Je ne vous présente plus les produits Cellublo, les produits que je vais devoir rentrer faire d'urgence parce que autant vous dire que. Le buffet, les restaurants et tout, bah franchement, je me mets bien à chaque fois. Hein, je me sens mais tellement gonflée. Oh là 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 là, je mange. Ah bah je mange. Je mange. J'ai un seul mot d'ordre, manger du matin au soir. Mais voilà, je sais que dès que je vais rentrer, je vais refaire attention. Je vais refaire ma ventouse pour la cellulite, puisque bah du coup forcément, je rattrape super vite la cellulite, c'est ma zone ici. Bref, je vous présente plus les produits Cellublo, mais par contre, je vous parle de cette offre incroyable que j'ai. Avec le code promo Jessica Summer, vous allez avoir un cadeau tous les 20 euros d'achat. Donc dès que vous passez un palier de 20, vous avez un cadeau. Et en plus de ça, avec mon code promo Jessica Summer, vous avez moins 10%. Et il y a déjà des promos sur le site. Donc autant vous dire que c'est que des promos, que des cadeaux. Et profitez parce que c'est bientôt l'été chez vous. Moi, ça allait quasiment toute l'année à Dubaï. Mais du coup, voilà, si vous avez besoin de traiter des petites vergetures, de la cellulite, etc., ils ont tout ce qu'il faut pour raffermir, pour améliorer la texture de la peau. Et franchement, leurs produits sont top. Vous avez les appareils électriques, c'est vraiment une gamme complète. Vraiment avec des résultats. Au bout de 7 jours, si vous mettez à fond, vous avez les résultats qui commencent à arriver. C'est hyper motivant du coup. Voilà, d'où le fait que je fais ça, parce que je me permets de faire, parce que je sais que ça revient. Voilà.